Hello à vous, ici Fred Laolès et on se retrouve pour un nouvel épisode de Dead Rising 4. J'ai fait tout le tour, j'ai pas trouvé et puis finalement, ouvrir. Alors ça me dit que c'est fermé, ouais, un système de sécurité qui ferme le tout et puis tu peux ouvrir tout connement. D'accord. Non, mais moi je dis d'accord à un moment donné. Hein. Carte d'entrée, Kodeke. Système réinitialisé, Franck. Entrez vite. Mm-hmm. Les zombies atteindront Hammond avant vous. Oh merde, j'avais pas pensé à ça. J'ai une balle gravée. Tu l'avais la marchandise? Supplie-moi! Allez! Ah, tu veux que je te supplie? Ouais, tiens, crève! Je t'en supplie, crève! Je dois recharger! J'ai ton cauchemar! Hammond, je viens vous sauver! Connard? Aucune idée, mais je m'en occupe! Brad, il y a un paquet de zombies là-dedans! Sans blague. Il y aura trois portes. Vous devrez les fermer de l'intérieur. Trois portes à fermer de l'intérieur. Ah oui, il y en a une là. Et le panneau est là-bas, on va la fermer direct. On va éliminer les zombies qui sont là. Je vais fermer les portes, Franck. Eh ben ça va, j'arrive. Là, l'autre porte, elle est au sous-sol. Et le sous-sol, il est par là, non? Ouais. Ah, cette putain de touche Y! D'accord. Je t'ai pas demandé de prendre la chaise, je t'ai demandé de fermer la porte. Non, c'est pas le pistolet que je veux. C'est le jus d'orange. Voilà. La pomme aussi, pourquoi pas. La pomme, ouais. Si je peux faire des... est-ce que je peux faire des combos avec ça? On va voir dans les plans, vous allez voir. Nouveau. Oh bah, tiens, nouveau. Il nous manque une masse. On peut pas comboter. On peut pas comboter. Oh ça, azote liquide. Ouais. Ok. Bon, bah écoutez, on va essayer de trouver soit de l'azote liquide, soit quelque chose existant. Étoile de sapin. Ok.
se battre avec autre chose. C'est quoi ça en bas? On va voir si on a de l'azote liquide, si on a des trucs. L'inventaire est plein, changé. Barre d'amertume. Barre quoi? D'armature, pardon. Petite planche. Ah non. Alors, on va essayer de trouver un mount qui doit pas être très loin à mon avis. Qu'est-ce qu'on a là? Revolver. Bâton métal. Hachette. Gant de MMA. Je vais bien prendre la batte en métal. Si je peux. Voilà. J'ai pas le temps de tout voir. C'est énervant. Pied de biche. Ok. Amandela. C'est un vrai piège à rats. Est-ce que je peux lui parler? J'en pleurerai de soulagement, mais j'ai peur de me pisser dessus. Oh bon sang, j'espère qu'Amande va bien. Comment ça? Elle est pas ici? Les gars de Tom les ont emmenés, elle est Jordan. On a tenté de la récupérer, mais ses ploucs ont activé le verrouillage. Tom la garde sûrement à la ferme. Je vais aller voir, laissez votre radio allumée. Je vous préviens s'il y a du nouveau. Merci. Content que vous fassiez partie des gentils. Ouais. Je bosse surtout pour ma pomme, hein, mon ami. Hé, hey, Franck. Merci d'avoir sauvé les miches de mon copain pathétique. On est toujours... Tais-toi, c'était pour voir. Oh, allez, bon sang, produit chimique. Nous lui devons tout. Est-ce que je peux pas faire un truc là avec un produit chimique, non? Ah non, c'est pas le produit chimique. Si, si. Ouais, mais faut un assommoir. C'est quoi ça? Défibrillateur. Ouais. Si jamais je revois Tom, je jouerai au pooling avec sa tête. Eh, hey, t'es en colère contre Tom, mais mon fémur t'a rien fait. Calme-toi. Je suis calme. Tu vois ses mains? Elles tremblent pas. Fais chier. Ouais. On va essayer de retrouver Amande, mais je vais essayer de faire des armes aussi, donc... Gants de MMA... J'ai rien avec les gants de MMA. Ça, c'est les chaises à prendre. Hop. Est-ce qu'on peut ouvrir, là? Ouais, ça mène dehors. Oups, c'est quoi ça? Emplacement, corps à corps, distance et jet. C'est toujours bon à prendre. Ok. Hop là. Un emplacement supplémentaire. Ça, c'est sûr que c'est toujours bon à prendre. Ça mène dehors ici, ok. C'est toujours un peu de farm, hein, les amis, donc il faut se faire des armes. Là, pour le moment, apparemment, ils ne me vendent rien. C'est toujours comme ça? Ça part en vrille et les gens se retournent les uns contre les autres? Ah, parce que t'appelles ça des gens? Ah, d'accord. Continue à être crédule, mon petit. Tapis de yoga. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Et je vais sûrement pas taper les gens avec un tapis de yoga. On va descendre un petit peu en bas, voir, fouiller un petit peu. Il y avait une pièce que je pouvais pas ouvrir. Est-ce que je peux l'ouvrir maintenant que tout est sécure? Ici. Ouais.
poubelle, un self. Bonbonne de propane. Bombe collante. C'est pas trop mon truc, les bombes. Je crois que c'est un truc de jet, donc... J'espère que ça va marcher. On peut toujours fabriquer... Et apparemment, il n'y a rien d'autre. Hein. Hop, changer de vêtements. C'est le moment de changer de vêtements, les amis. Pas mal. Alors, on a des tenues complètes. Hein. Le vêtement de Franck, ouvrier de chantier, bison, parce qu'on a les... On a le DLC qui nous donne les tenues de ski, joli. Vêtements thermiques, petit hawk, joli, je t'ai encore pas changé. Regan, là on a des tenues qui sont pas finies, tenue de catcheur, Cupidon, on a Camille, on a Guile, on a l'armure de chevalier, on a Captain Commando qu'on a déverrouillé avant ça. À prendre quoi comme tenue, les amis? Baseball, tenue de mécano. Ça en jette. Pyjama, hazmat. Braqueur de banque, haou. Pile à ma taille. Mais non, c'est pas pile à ta taille, voyons. Je sais pas quelle tenue prendre, les amis. Le cuisinier est fou. Allez, on va se mettre en tenue de baseball. Il tire et il marque. Parfait. Hop, voilà. Hop, qu'est-ce que c'était derrière? De la viande. Hop. Appelez-moi Franck Labricole. Ouais, ça va, Franck Labricole? Le baseball. Maniez-vous! On doit s'occuper des blessés puis faire état de la situation. Ouh, bah ça va, mon ami. Ça va, mon ami. Ça, c'est le garage. Oh, peut-être qu'au garage, on aura de quoi. Cocktail Molotov. Clé. Wow. Ça, une clé, je veux toujours. Ah ben voilà. Une masse. Est-ce qu'il ne nous manquait pas? Ben là, il nous manque rien, non? Non, merde. Je veux la masse. Ah, moi, qu'on se soit servi... possible. Il nous manque le truc explosif. Là, c'est un assommoir qu'il nous fallait. Oui, il nous manque l'exploseur, hein. Le liquide explosif, très bien. Ah bah, cocktail Molotov, parfait. Voilà. Merci de ma gagne. Nickel. C'est pile ce que je cherchais. Kit de soins, non. Donc du coup, hein. Ouvrir, qu'est-ce qu'on trouve? De la ferraille. Ce sera toujours bien. Ok. On va donc partir chercher notre ami qui est donc nous on est ici et elle est ici. Ah oui, c'est avec nos petits copains, d'accord. On pouvait pas y aller tout à l'heure parce que le script ne voulait pas, hein. Ils seront obligés. Coordonnées que je viens de t'envoyer. Tu vas pas être déçu.
ils seront obligés de répondre à l'appel du baseball. Bordel, sale raclure! Laissez-moi sortir! Est-ce que c'est... Jordan? Jordan, est-ce que ça va? Ouais. Quel con. Où est Amon? Aucune idée. Je pensais la trouver ici aussi. Non, ils nous ont séparés. Le fils de pute. Tom va la tuer, Frank. On va la trouver. Restez ici et fouillez le coin. Je vais inspecter le reste de la ferme. Vous avez trouvé quelque chose? Il faut faire vite ou ce psychopathe va tuer Amon. Alors, inspectez le reste de la ferme. Tenez bon, Amon! Je viens vous sauver! Ça m'a mis dans la tête. Tu disais? Casquette de baseball, ça j'ai déjà, je l'ai sur la tête, bon Dieu. Pourquoi je peux pas me soigner? Par contre. Table. Ouvre. Ok. Hop, il y a encore un truc à ouvrir. Désolé, je fouille, mais c'est du farm surtout. Le... Obligé de faire quand même un peu de farm. Ah, c'est parce que je n'avais plus rien, d'accord. Clé. Parfait. Je pouvais pas me soigner parce que je n'avais plus rien. C'est un problème, ça, si j'ai plus rien en soi. Pourtant, il me semblait que j'en avais des soins, les amis. Alors... Elle est là-dedans. Café, je vais prendre tout ce qu'il y a en soin dans ce cas. Hein. Bouteille d'eau. Bouteille d'eau. Donc elle est par là, à la cuisine peut-être.
Faut salle de bain, du moins. Non. Là, donc, du coup. À l'étage. Amon, vous êtes là ? Amon ! Bah tiens, ton territoire, ce que j'en fais. Par ici, la marchandise. Hop, je mets les bottes d'hiver, moi, rien à foutre. Tu vas crever. Hop. C'est toi qui me dis tu vas crever là ? Petite minute, il y a une autre bouteille d'eau que je veux prendre. Inventaire plein, d'accord. Bah, ce qu'on va faire, on va se boire ça et se prendre ça. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Ampli, ampli guitare, radio portable, portable. Est-ce que le sac est fouillable ? Non. Casquette de ski avec lunettes. Oh, on est beau. Ça me va comme un gant. Ah ouais, t'es beau comme ça, ça te va comme un gant, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est ça? Lunettes sportives. Allez hop. Je prends tout les amis parce que c'est dans la... Oh yeah, beau gosse. Regardez-moi ça, beau gosse. Franck de beau gosse. Je prends tout parce que c'est... Allons. C'est pour la collecte. Pour la collecte. Comme ça, on a des tenues dans le placard. Donc c'est pour ça que je regarde partout, je prends tout, j'essaye hein, du moins de tout prendre. Ah, c'est pas toujours évident. Mais voilà, j'aurai peut-être pas toutes les tenues, je vais pas vous faire, c'est pas un 100%, hein, je vais pas vous faire un 100%. Ça vient de son placard. Ok, c'est... Ouvrir. Oh, 4000 et quelques, yeah, yeah, yeah. Ouvrir. Il y a un tas d'érafles. Veste de chasseur. Oh ouais, tu déchires, Franck. Bah ouais, tu déchires, Franck. Attends. Quoi ça? Casquette de chasse. Voilà ce qu'il nous fallait. C'est pas le visage. Non. Ciseaux, non. Ouvrir. On a le portable là. Couteau de chasse. Ça fait 3 nuits de suite. J'étais au sous-sol, je tentais de faire fonctionner cette foutue chaudière. Laurie entrait juste au moment où je la mettais en marche. Mais elle était en osier. Son visage était tissé comme un berceau. Des étincelles s'envolaient et elle prenait feu. Elle pleurait et me suppliait de l'aider alors que les flammes dévoraient son corps. Je lui soufflais dessus. Mon Dieu, ce rêve que tu as fait, mon ami. On a donc résolu un mystère quand on a pris tous les téléphones. C'est quoi qui est en haut? Épée, bouclier, ouais, mais non, mais... J'ai mes armes et ça me convient, les amis. Alors attendez, j'ai pas bien cherché là, non, j'ai pas bien cherché là-bas. Non ? Bottes de cow-boy, pourquoi pas ?
Alors, elle est où, notre copine, du coup? Parce qu'on est quand même venu pour elle, hein. On est à 25 minutes d'épisode, les amis. Et je pense que quand on aura trouvé notre copine... On pourra... s'en aller... Je vais quand même remettre les bottes d'hiver parce qu'elles font moins de bruit parce que ling 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 c'est bien beau. C'est quoi ça? Ah. Alors, attendez. En bas peut-être? Faut retourner en bas? Des fois vous savez tant qu'on n'a pas tout fouillé, tout fouillé. Mais non. Bon, c'est pas grave. C'est notre territoire. Oups, où ça? Je conçois que c'est ton territoire. On se fait de la thune à mort, hein, n'empêche qu'on pourra acheter des armes et tout avec. Hein. Je conçois que c'est ton territoire, mais je ne sais pas où aller. Et ça me frustre. Est-ce qu'elle est là? Elle est dans cette baraque au moins ou pas? De toute façon, on va finir de la chercher. Là, on est à 27 minutes d'épisode. Après, je la chercherai en off et puis... Casquette de baseball. Hein, là, c'est par là qu'on est arrivé. Mais elle est où? Ah, attendez. Non. What? Ah non, oui, c'est pour faire une bombe collante, pour combiner. On va combiner. Ah, sérieux? Bien que je préfère le corps à corps, hein, les amis, je vous le dis. Je ne sais pas du tout chercher, ça me stresse. Donc, je pense qu'on va se quitter là, que je vais la chercher en off. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Oh, attendez. Téléphone, là. Voilà. Je pense que je vais la chercher en off. Voilà, c'était ça que j'entendais. J'entendais. En tout cas, ben voilà, si cet épisode vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir.
et j'interagirai toujours avec délice, volupté et dissidence avec vous. Mais pour l'heure, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous filles, amitié aux gars, et à très très bientôt. Bye, bye.